Vous, économiste de la Banque mondiale, même si vous étiez tous des prix Nobel d'économie, il vous est impossible de fournir une solution à un pays comme l'Algérie, comme le Tchad, comme le Niger, comme le Mali. Sauf, si vous le mettez en guerre permanente pour qu'il serve les intérêts des pays de l'OTAN, sauf, ah oui, dans ce cas-là, ouais, vous allez lui faire une économie dans un but qu'il serve les pays de l'OTAN. Ou bien, pour qu'il soit gouverné par quoi? Par une dictature. C'est ce qui se passe à Alger. Maintenant, dans les deux cas, servir les pays de l'OTAN ou être dirigé par une dictature conduit à de la violence. C'est pour cette raison que je demande à mes compatriotes de résister dans la paix, de résister dans la dignité. Sauf que mes compatriotes d'Algérie, si je suis élu président de la République, je décréterai l'état de providence. Ok? La croissance de la population au Canada, mais c'est la croissance en 2023, hein, la croissance de la population au Canada est de 2,9%. Dans 2,9%. Nous, d'après ces estimations de la Banque mondiale, là, elle est de 1,6. Avec 1,6%, comment l'Algérie sera-t-elle sauvée? J'ai un discours passionnel et passionné. Parce que je pense à Hussein Aïd Ahmed. Je ne laisserai jamais ma patrie tomber. Je suis ouvert à toutes les discussions. Je suis prêt à revenir à Washington. Je suis prêt à voir les économistes de la Banque mondiale, du Front monétaire international. Oui, je vais contacter l'État fédéral américain. Je m'en balance des élections des États-Unis d'Amérique. Je m'en fous, moi. Le président des États-Unis d'Amérique est choisi par les Américains. Moi, je vais tenter d'entrer en contact. Je suis déjà en contact. Dis-moi, j'ai envoyé des lettres. Contact avec des officiels des États-Unis d'Amérique. Non. Comme l'a fait Hussein Aïd Ahmed. Je le referai en 2024. Comme l'a fait Hussein Aïd Ahmed avec l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Je l'ai fait et je le referai. Chers compatriotes d'Algérie, dites au FMI, à la Banque mondiale, que la nation algérienne est prête à souffrir, mais ne repartira pas vers la guerre. Je suis obligé d'aller encore vers l'Ouest Matoumba. Qui a dit Al-Zahir Hadrat Sigmar. Pour vous, économiste du FMI, Lounès Matoub est un des meilleurs automaturges assassinés en Algérie, là. Qui dit que l'Algérie doit se reprendre, elle doit se ressaisir pour aller de l'avant, pour aller de l'avenir, là. Elle ne doit jamais aller en guerre. Elle doit aller vers son amazigité. Elle va aller sur l'islamité, elle doit aller vers la paix, elle doit cesser d'être un jouet d'Emmanuel Macron. Chers compatriotes d'Algérie, merci à vous tous. J'espère venir le plus tôt possible en Algérie. J'espère être le candidat à la présidence, candidat du Sahara algérien, du Sahara. Algérien.
Merci à vous tous.